Bonjour mes chers élèves de CM. Alors aujourd'hui, on va voir vocabulaire. Les contraires. Alors c'est une leçon vraiment très intéressante pour vous mes chers élèves. Alors tout d'abord, on va voir j'observe et je découvre. Après, on va faire quelques activités. Allons-y. Prenez votre livre. L'arbre aux mots pour CM1. Page 92, et suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, les contraires. On va commencer par j'observe et je découvre. Complète le tableau ci-dessous avec les mots soulignés et leurs contraires. Siam allume son ordinateur le matin et ne l'éteint que le soir. Alors, complète le tableau ci-dessous avec les mots soulignés et leur contraire. Alors, je vois ici le tableau. Au-dessous, il y a le nom et son contraire, l'adjectif et son contraire, le verbe et son contraire, comme exemple de allume et éteint. Et autres mots, ils sont contraires. Qu'est-ce qu'on a ici? Siam allume son ordinateur le matin et ne l'éteint que le soir. Allume, éteint. Allume, éteint. Ce sont deux verbes contraires. C'est un site intéressant pour les adultes. C'est un site intéressant pour les adultes, mais inintéressant pour les enfants. Hein? C'est un site intéressant pour les adultes, mais inintéressant pour les enfants. Alors, on a ici le mot intéressant. Le mot contraire, c'est inintéressant. Ce sont deux adjectifs contraires. Adjectif et son contraire. Alors, j'ajoute ici. Adjectif et son contraire. Intéressant et inintéressant. Elle travaille sur le même ordinateur du début à la fin. Elle travaille sur le même ordinateur du début à la fin. Alors, on a ici deux mots. Non et son contraire. Début, la fin. Le début et la fin. Du début et la fin. Alors, le contraire du début, c'est la fin. Le nom est en contraire. Alors, je peux noter ici du but et la fin. L'image apparaît doucement. L'image apparaît doucement dans un premier temps. Oui, très rapidement ensuite. Doucement, rapidement. Ce sont deux adverbes. Alors, autre mot est en contraire. Alors, j'ajoute ici. Siham allume son ordinateur le matin et ne l'éteint que le soir. On a deux contraires. Allume, c'est le contraire de l'éteint. C'est un site intéressant pour les adultes, mais inintéressant pour les enfants. On a intéressant, inintéressant. Ce sont deux adjectifs contraires. Adjectifs et son contraire. Ils travaillent sur le même ordinateur. Ils travaillent sur le même ordinateur du début à la fin. Alors, du début et la fin. Du début et la fin. Alors, ce sont un nom et son contraire. L'image apparaît doucement dans un premier temps, puis très rapidement ensuite. Alors, on a ici doucement, c'est le contraire de rapidement. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Alors, que sont deux mots contraires? Alors, allume, le contraire de éteint, intéressant, le contraire inintéressant. Début, le contraire de la fin. Doucement, c'est le contraire de rapidement. Complète la première phrase et continue en t'aidant du tableau de l'exercice numéro 1. Le contraire d'un nom est un autre nom. Alors, le contraire d'un nom est un nom. Le contraire d'un verbe est un verbe. Le contraire d'un adjectif est un adjectif. Le contraire d'un adverbe est un adverbe. C'est de la même nature. On trouve toujours le même, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire plusieurs fois. Je retiens page 99.
Alors ici, je m'entraîne. Dans quelques instants, on va faire ces activités ici. C'est vraiment très intéressant pour la plupart des élèves de CM1. Je m'entraîne. Parmi ces mots, on retrouve les couples de contraires et recopilés dans le tableau. Voici le tableau. Écris le contraire de ces verbes. Écris le contraire de ces mots. Écris le contraire des adjectifs ci-dessous en supprimant le préfixe. Et pour chaque phrase, dis la même chose mais sans employer la négation. Et à la fin, un clin d'œil, le naufrage d'Internet, page 99. Page 90, recopie les phrases contenant les contraires du mot code attendu. Et continuons. C'est la recherche à faire, bien sûr. Alors, dans quelques instants, on va faire la correction de ces activités. Chers élèves de CM1, vous êtes bienvenus sur votre chaîne Je communique ici, sur YouTube. Alors, parmi ces mots, on retrouve les couplets de contraires recopilés dans le tableau. Allons-y, on va découvrir quels sont ces couples. Alors, par exemple, facile avec difficile. Nuit avec le jour. Commencer avec finir. Clair avec sombre. Dessus avec dessous. Échec avec réussite. Descendre avec montée. Aimer avec détester. Et après, c'est avant. Voilà tout simplement. Facile, c'est le contraire de difficile. Nuit, c'est le contraire de jour. Commencer, c'est le contraire de finir. Clair, c'est le contraire de sombre. Déçu, c'est le contraire de dessous. Échec, c'est le contraire de réussite. Après, c'est le contraire de avant et de sens, c'est le contraire de monter. Et mais c'est le contraire de détester, tout simplement. C'est vraiment facile. Allons-y. Vers deuxième exercice. Écris le contraire de ces verbes. Par exemple, arrêter. Arrêter, c'est le contraire de commencer. Ou démarrer. On dit démarrer aussi. Démarrer, démarrer, démarrer. Mais démarrer lorsqu'on parle de termes un peu mécaniques. Arrêter, démarrer. Bon. Alors on dit commencer. Plutôt bien. Arrêter, commencer, demander, par exemple répondre, je réponds, je pose une question et je réponds. Interdire, c'est autoriser ou permettre. Alors, avancer, c'est reculer, j'avance, je recule, en arrière. Détester, c'est aimer. Pousser, c'est tirer. Lever, c'est poser, faut mettre. Rire, c'est pleurer. Alors, écrit le contraire de ces mots. Rarement. On trouve rare, on trouve par exemple quelque chose qui est rare. Ah non, c'est le contraire du jour. Je ferai contrairement, je ferai que toujours. Toujours. Souvent. Chose comme ça.
Soit toujours, soit souvent. Alors toujours, c'est contraire, rarement, on peut aussi dire plus de. Non, non, c'est pas plus, c'est jamais. Hein. Jamais. Loin d'eux, c'est près d'eux. Mieux, c'est pire. Ça veut dire très mauvais. Hein. C'est mauvais. Moi, c'est plus. Encore, c'est plus. Alors, on continue avec les autres activités. N'oublie pas d'apprendre par cœur, c'est contraire. Arrêter, c'est le contraire de recommencer. Commander, c'est le contraire de répondre. Interdit, c'est le contraire de permettre ou autoriser. On peut ajouter aussi autoriser. Autoriser. Alors, détester, c'est aimer. Ou adorer ou apprécier. Pousser, c'est le contraire de tirer. Lever, c'est le contraire de poser ou mettre. Rire, c'est le contraire de pleurer. Rarement, toujours ou souvent. Toujours, c'est jamais. Loin d'eux, c'est près d'eux. Mieux, c'est pire. Moins, c'est plus. Encore, c'est plus. Voilà. On passe à autre chose maintenant. Alors, écrire le contraire des adjectifs ci-dessous en supprimant le préfixe. On a par exemple invisible et visible. Alors, invisible, c'est le contraire de visible. Et responsable, c'est le contraire de responsable. Alors, j'écarte IR et je regarde responsable. Et j'écris le contraire des adjectifs ci-dessous en supprimant le préfixe. Et responsable, c'est responsable. Imparfait, c'est parfait. Illogique, c'est logique. Injuste, c'est juste. Incorrect, c'est correct. Malhonnête, c'est honnête. Désordonné, c'est ordonné. Alors, où sont les préfixes? IR. Et responsable, on trouve IR. Imparfait, on trouve un. Illogique, on trouve il. Injuste, on trouve un. Incorrect, on trouve un. Malhonnête, on trouve mal. Désordonné, on trouve des. Alors, irresponsable, c'est le contraire de responsable. Note avec moi, s'il vous plaît. Imparfait, parfait, illogique, logique, injuste, juste. Incorrect, correct. Malhonnête, honnête, désordonné, ordonné. Alors, pour chaque phrase, dis la même chose, mais sans employer la négation. Tu n'es pas à l'heure, Internet n'est pas conseillé pour les plus jeunes, ce site n'est pas connu, les enfants ne sont pas calmes, Internet n'est pas une vieille invention, ce jeu vidéo n'est pas amusant. Alors, elle est fréquemment utilisée ici, la négation, avec ne pas, bon. Ou elle apostrophe pas. Tu n'es pas à l'heure. Internet n'est pas conseillé pour les plus jeunes. Ce site n'est pas connu. Les enfants ne sont pas calmes. Internet n'est pas une vieille invention. Ce jeu vidéo n'est pas amusant. Alors on dit, tu es en retard. Tu n'es pas à l'heure, ça veut dire tu es en retard. Internet n'est pas conseillé pour les plus jeunes. On dit, Internet est déconseillé pour les plus jeunes. Internet est déconseillé pour les plus jeunes. Ce site n'est pas connu. On dit ce site est inconnu. Les enfants ne sont pas calmes. On dit les enfants sont agités, sont excités. Internet n'est pas une vieille invention. On dit Internet est une nouvelle invention. Ce jeu vidéo n'est pas amusant. On dit ce jeu est ennuyeux. Internet est déconseillé pour les plus jeunes. Ce site est inconnu. Les enfants sont excités, agités, très actifs. Internet
est une nouvelle invention, ce jeu vidéo est ennuyeux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez noter tout ce qui est note, tout ce qui se forme de dictée. D'accord? Voilà. À la prochaine vidéo pour une nouvelle leçon de vocabulaire. Il s'agit de synonymes. Attendez cette vidéo avec patience. Synonymes. Merci beaucoup, mes chers élèves de CM1. À très bientôt.